Et bonjour à tous, c'est Wolfield. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Dead Space Remake. La dernière fois, on a retrouvé Nicole, on a gagné une nouvelle tenue. Et on va sauvegarder. Parce que là, c'est la suite directe de la vidéo de la dernière fois et j'ai pas sauvegardé. On va même double sauvegarder, allez. On est généreux. Ah, il faut que je me méfie, j'ai pas beaucoup de munitions sur moi. J'ai dû en sacrifier un peu, j'ai dû sacrifier un peu de la vente de soins aussi. Mais bon, la nouvelle tenue vaut bien le coup. J'aurais plus qu'à l'améliorer à fond. J'avais pas été. Salut. La date qui va le faire les malins, non? Parfait. Oh, merci. Oh. Yes. J'aime les points de force. Un peu de sous. Des munitions, je me méfie toujours quand même. Toujours des munitions. Ok, faut se méfier des extincteurs. Et des sous. C'est pas mal, c'est pas mal. Hors de question qu'il se relève. Il est déjà en charpie. Alors, est-ce que je peux maintenant accéder à ça? Oui. Oh, sérieux, vous avez mis 100 balles. Ok, dans un niveau 3. Bon, c'est pas grave. Alors, on envoie la balise. Normalement, il devrait mettre des monstres. Hein. Préparation des tubes de lancement. Un petit souci avec le casque de 2 secondes. Il doit y avoir un autre moyen. Voilà. L'astéroïde. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il a? Si je fixe la balise de détresse à cet astéroïde et que je le lance loin du vaisseau, on aura du signal. Et tu mourras. Les machines tournent à plein régime. Ouais, je suis pas chaud. Ces choses d'entrée aussi. C'est notre meilleure chance, Kendra. Je la saisis. Mais. Oh mon Dieu. Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Détruire les attaches, ouais. Ah, j'ai un personnage qui est un peu suicidaire. Hein. Puisqu'on est là, on va en profiter 2 petites secondes. Content de pouvoir restocker un petit peu des munitions, ça aidera pour plus tard. C'est bien par là, hein. Ça j'aime bien. Non, j'aime moins. Je pensais que ce serait autre chose.
sympa. J'ai pas le moteur, il ne marchera pas. Eh non. Le moteur, vous l'avez mis où? Ça c'est toujours cool. Ah non, on l'a eu celui-là. Mais déjà il y a ça. Voilà, ça c'est très bien. Ah, tenue top priorité. Alors je sais pas ce qu'il faut que je prenne le moteur d'ici et que je l'amène avec moi. Pas reculer ni rien, je me suis complètement foiré, et c'est pas grave. Alors, y a quelqu'un? Je me fais peur tout seul. Il n'y a rien d'autre. Ok, c'est pas mal. C'est toujours des munitions en plus. Moi j'ai pas utilisé la stase. Entrée en zéro gravité. Alors, t'as un plan? L'astéroïde est maintenu par des attaches gravitationnelles. Il n'y a pas de procédure d'arrêt d'urgence. Je vais devoir les désactiver manuellement et planter la balise de détresse dessus. Ok. Allez, il faut que ça fonctionne. Wow. Laisse-moi bien analyser, tranquillou. Hein. Ok. Il y a des trucs tout là-haut. Il sera en l'air. Excusez-moi, je cherche, je regarde s'il n'y a pas du loot qui traîne.
vois pas, ok. Alors. Je comprends pas comment je dois faire. Non, non, je t'ai jamais dit de faire ça. Oh la vache, comment je vais faire maintenant? Alors, redresse-toi. Voilà, merci. Je puisse avoir mes repères. Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas si je dois passer derrière l'astéroïde ou démonter un truc avant. S'il faut que je monte en hauteur, je sais pas. Je trouve que la balise est pas claire pour moi. Comme j'ai un petit cerveau, ben. Entrée en zéro gravité. Alors, t'as un plan? L'astéroïde est maintenu par des attaches gravitationnelles. Il n'y a pas de procédure d'arrêt d'urgence. Je vais devoir les désactiver manuellement et planter la balise de détresse dessus. Ok. Allez, il faut que ça fonctionne. On récupère le loot. Mais je suis censé faire comment? Il était pas là le lien. Alors voyez, alors voilà. Alors ça c'est le genre de truc où vous allez voir me fail en boucle parce que je ne comprends pas où je dois aller, ce que je dois détacher, comment je dois le faire. J'ai plus ou moins compris qu'apparemment c'était en dehors de l'astéroïde. Là, il a tourné tout seul, alors je suis dans la merde. Il me dit d'aller par là, mais où là-bas? Ok, là, la balise. Ensuite. Oui, mais elle est où la tâche? C'est la tâche. Attention, attache gravitationnelle décrochée. Je commence à piger. Aïe. Alerte, attache gravitationnelle externe désactivée. Attache interne à pleine puissance. Aïe. Je croyais qu'ils étaient tous désactivés les machins et que j'avais plus qu'une qui tenait l'astéroïde. Forcément, je me fais avoir. Bon, l'avantage c'est que maintenant j'ai compris. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Forcément.
procédure d'arrêt d'urgence. Voilà. Désactiver manuellement et planter la balise de détresse dessus. Ok. Allez, il faut que ça fonctionne. Ne t'inquiète pas, ça va. Ah. Encore une là. Allez, 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 allez. Entrez dans une zone de vide. Attention, attache gravitationnelle décrochée. J'ai vu le bébé, et pour l'instant, on va voir si je peux faire ça. Alerte, le chargement 8772 n'est plus attaché. Le personnel non entraîné est prié de quitter la zone minière. Je peux pas passer par là forcément. Je peux pas passer par là non plus. Le loot. Et je peux passer par là. Recharger la stase. Ok, alors maintenant. Normalement, faut que je m'en renvole quelque part. Non. Alors, c'est bien à peine de me faire la balise qui monte dans les airs pour me faire sortir par là. S'il y a une bestiole, oula. Oh quel enfer. Ça ne marche pas, ok. Non.
Va pas me dire que. Oh non! Voilà, alors ça m'énerve aussi. Alors, on va sauvegarder. Il faut que je reprenne le moteur avec moi. C'était pas là tout à l'heure. Le temps de passer, heureusement. On va faire une partie un peu plus longue, le temps de lancer au moins l'astéroïde. Il semble entendre crier, mais... Bon, et maintenant? Ça y est. Oh la vache, il est parti comme un P. Ça marche. La balise est connectée et diffuse sur une large fréquence. Je vais aligner l'antenne. J'ai besoin d'une minute. Retourne à la station de tram. Bon. Bah ben, oui. Bien sûr. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Oh non. Bah oui, forcément. Je déteste les monstres invincibles, ça gâche le jeu. Pas si ça sert à quelque chose, mais... Voilà. Écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Waouh, il y a eu un bug graphique dégueulasse. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à mettre un maximum de likes, à m'envoyer beaucoup de force, parce que là, on va encore avoir droit à une période de fuite. J'ai horreur de ça, c'est chiant. Vous pouvez me suivre sur Discord, sur mes autres chaînes YouTube, je vous mets tout ça dans la description. Et nous, on se retrouve très très vite pour d'autres aventures de Dead Space. N'oubliez pas l'abonnement. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.